Bienvenue au deuxième partie de Perroquet Arabe Bleu. Dans cette partie, on va parler de la reproduction et l'alimentation chez l'Arabe Bleu. La période de ponte et la saison des amours de l'Arabe Bleu a lieu de janvier à juillet. Cela dépend de la région où vit l'oiseau et des conditions climatiques. L'Arabe Bleu et Jaune établit son nid dans les trous de palmiers, préférablement secs. La femelle génère 2 à 4 œufs par ponte, puis en assure la couvaison pendant 28 jours. C'est vers l'âge de 3 mois que les jeunes perroquets quittent le nid. Cependant, ils continuent d'être nourris par leurs géniteurs jusqu'à 6 et 7 mois. L'âge de la maturité sexuelle chez l'Arabe Bleu et Jaune se situe entre 8 et 10 ans. Le jeune Arabe Bleu commence à voler vers 3 mois, mais n'est totalement indépendant qu'à 6 et 8 mois.
Le couple est uni pour la vie, la femelle pond 2 à 3 œufs qui seront couvés par les deux parents. Dans la nature, seul le plus fort oisillon survivra. Cet oiseau se reproduit une fois par an. L'ara bleu peut vivre de 40 à 50 ans à l'état sauvage, jusqu'à 80 ans en captivité.
Son régime est composé de différentes sortes de fruits qui sont disponibles localement, en particulier ceux des palmiers Mauritia et Acrocomia. Il ingurgite également un grand nombre de graines, du nectar et le tégument des graines du courbaril. L'ara bleu est principalement arboricole et il se nourrit à l'étage supérieur des arbres, souvent près d'une clairière. À l'instar d'autres espèces d'aras, le perroquet bleu et jaune se nourrit d'argile qu'il trouve sur les berges des fleuves. Riche en sels minéraux, l'argile aide l'oiseau à digérer les résidus toxiques présents dans certains fruits. Son bec crochu lui sert de troisième patte et il l'utilise pour se suspendre aux branches et attraper sa nourriture. Les perroquets ara bleus se nourrissent dans la nature essentiellement avec des graines et des fruits. Lorsqu'ils sont verts, ces derniers contiennent des substances amères indigestes. Des chercheurs ont remarqué que les perroquets en liberté mangent également de l'argile quotidiennement et en donnent aussi à leur progéniture. On sait que pour faciliter la digestion, les oiseaux ingèrent des cailloux. C'est l'une des théories privilégiées par les scientifiques, à moins que cette argile contienne des minéraux particuliers qui pourraient favoriser l'assimilation de ces substances indigestes. Pour résoudre cette énigme, des chercheurs se sont mobilisés pendant plusieurs semaines dans les Andes, milieu naturel des perroquets, pour tenter de comprendre ce phénomène. Bien cachés, ces chercheurs ont consigné les allées et viennes, les horaires et les endroits où ces perroquets viennent manger de l'argile minute par minute. En clair, l'argile est un remède naturel pour les maux d'estomac causés par les toxines présentes dans les graines et noix encore vertes. Cela démontre que les perroquets dans la nature redoublent d'ingéniosité pour rester en parfaite santé. L'ararona est parmi les aras, le plus intelligent et le plus familier. Il apprend à imiter divers sons, à siffler des airs et à reproduire des mots. Il aime également apprendre de nouveaux tours.
l'ara bleu et jaune, avec ses couleurs vives et chatoyantes, est très apprécié des amateurs d'oiseaux de compagnie ou d'ornement. Malheureusement, avec un prix élevé à l'achat, l'oiseau est victime d'un trafic illégal qui met en danger l'espèce dans son habitat naturel. L'ara bleu et jaune est un oiseau à la santé plutôt robuste, mais il peut souffrir de diverses maladies s'il ne bénéficie pas du suivi et des soins. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.